بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأقدم فيه تصحيح أولمبياد الرياضيات مستوى الثالثة إعدادي. بالنسبة لهذا الفرد، الفرد رقم 2، إذن كنت قد وضعته في قناة إدريس مات 2020 لكي يتدرب التلاميذ على امتحانات أولمبياد الرياضيات، والتي تجرى في 3 مراحل: المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة. إذن على بركة الله سنبدأ بالتمرين الأول، والتمرين الأول يقول: بين أن العدد 3 أس 2018 زائد 3 أس 2019 زائد 3 أس 2020 يقبل القسمة على العدد 13. Alors, en français, prouve que le nombre 3 puissance 2018 plus 3 puissance 2019 plus 3 puissance 2020 est divisible par 3. للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نكون على علم بالقسمة. بمعنى آخر، متى نقول أن عدد يقبل القسمة على عدد؟ إذن ما هو التعريف الذي يوصلنا إلى الجواب على هذا السؤال؟ إذن التعريف، نقول أن A يقبل القسمة على B إذا وجد عدد صحيح، مثلا K، بحيث أن A تساوي K في B. إذن نقول أن A تقبل القسمة على B، أو يقبل القسمة إذا وجد A يساوي B في جدا K، بحيث K عدد صحيح طبيعي. إذن إذا قمنا بكتابة 3 أس 2018 زائد 3 أس 2019 زائد 3 أس 2020 على شكل جداء 13 في عدد ما ينتمي إلى الأعداد الصحيحة الطبيعية، فإننا نقول بأن العدد يقبل القسمة على 13. Alors, pour dire que A divisible par B, alors il faut trouver un nombre K que multiplié par B qui est égal à A. Alors, la réponse, on a 3 exposants 2018 plus 3 exposants 2019 plus 3 exposants 2020 est égal. Alors, on a ici 1 × 3 puissance 2018. Regardez ici, 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire, on a ici 3 exposants 2018. Alors, on peut décomposer. Alors, ça c'est 3 exposants 1 fois 3 exposants 2018. Ici, c'est puissance 1. Plus, alors on a ici 2020. Alors, c'est-à-dire 2 plus 2018. Alors, on fait comme ça. 3 exposants 2 fois 3 exposants 2018. Regardez ici. Il y a ici un facteur commun. Alors, c'est 3 exposants 2018. Très bien. Alors, le facteur commun, c'est 3 exposants 2018. Alors, on écrit 1 plus 3 plus 3 exposants 2, entre parenthèses, fois 3 exposants 2018. Puis, on calcule ce qui est entre les parenthèses. 1 plus 3, 4 plus 3 exposants 2, c'est 9, est égal à 13 fois
3 exposants 2018. Alors, le nombre, c'est 13 fois 3 2018. Alors, on dit que le nombre 3 exposants 2018 plus 3 exposants 2019 plus 3 exposants 2020 admettent une division par 10, 13 ou bien est divisible par 13. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, soit A et B, c'est 3 nombres réels non nuls. Montrez que A sur B, C est égal à 1 sur C facteur C plus A sur A plus 1 sur B facteur B plus C sur A. La deuxième question, déterminer deux entiers naturels non nuls P et Q tels que A 1 sur 2019 est égal à 1 sur P plus 1 sur Q. Alors, pour répondre à ce exercice, alors, la première question montrant que l'égalité suivante. Alors, on peut faire l'inverse. On peut commencer par ça et on obtient A sur BC. C'est-à-dire, ici, on réduit au même dénominateur. Alors, on a 1 sur C facteur B plus C sur A plus 1 sur B facteur B plus C sur A. Alors ça c'est, on fait l'inverse, c'est-à-dire A divisible par C sur facteur B plus C. La même chose ici, on fait l'inverse, alors c'est-à-dire A sur B facteur B plus C. Après, on réduit au même dénominateur. Alors, ici, on facteur, le facteur commun, c'est A. Alors, on facteur par A. Et on multiplie B facteur B plus C fois 1 plus C facteur B plus C fois 1. C'est-à-dire, ici, on peut écrire comme ça. Avant ça, ça s'écritait. Alors, on peut écrire comme ça. Alors, ça, c'est 1 sur C facteur B plus 1 sur B facteur B plus C. Alors, on réduit au même dénominateur. Alors, c'est-à-dire 1 fois B facteur B plus C plus 1 fois C facteur B plus C. Puis, on simplifie. Alors, on a ici le facteur commun, c'est B plus C. Alors, on factorise par B plus C. Alors, le reste, c'est B plus C. Le reste, ici, c'est B plus C. Puis, on fait quoi? On simplifie par B plus C par B plus C parce que ici il y a la multiplication et c'est B plus C par B plus C. Alors le reste c'est quoi? Ici c'est 1 et ici c'est B C, c'est-à-dire ça est égal à 1 fois 1 sur B C. Alors c'est-à-dire A sur B C. Donc, on a montré que cette égalité, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire, A sur B, c'est égal à 1 sur C facteur B plus C sur A plus 1 sur B facteur B plus C sur A. Alors, pour la question 2, déterminer P et Q tel que 1 sur 2019 est égal à 1 sur P plus 1 sur Q. Alors, pour déterminer P et Q, alors, on applique l'égalité de la première question. C'est-à-dire quoi? A sur BC est égal quoi? Est égal A sur
sur B facteur B plus C plus A sur C facteur B plus C. Alors on a B fois C est égal quoi? Alors on peut simplifier A par A, c'est-à-dire ici 1 et ici 1 et ici 1. Alors B fois C est égal 2019, c'est-à-dire 2019 fois combien? Fois 1. Parce que 2019 c'est un nombre impair. Alors pour multiplier par un nombre, alors 2019 fois 1. Alors on écrit 1 sur 2019. Mais ici, c'est-à-dire B est égal 2019 et C est égal 1. Alors on fait ici 2019 fois 2019 plus 1 et ici 1 fois 2019 plus 1. Ou bien l'inverse, c'est la même chose. Alors, d'après 1, on a A sur BC est égal, c'est-à-dire 1 sur BC est égal 1 sur C facteur B plus C plus 1 sur B facteur B plus C. Donc 1 sur 2019 fois 1 est égal 1 sur 1 fois 2019 plus 1 plus 1 sur 2019 fois 2019 plus 1. Entre parenthèses. C'est-à-dire 2019 plus 1 c'est 2020 et 2019 fois 2020. Alors, il faut prendre une calculatrice pour calculer ce nombre qui est égal à 100. Alors, qui est égal à 4 078 380. Alors, qui est égal 4 078 380 et P est égal 2020. Ça, c'est... Alors, ça, la réponse de l'exercice numéro 2. Alors, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, montrez que le périmètre de deux rectangles de surface 1 cm² est supérieur ou égal à 4 cm. بالنسبة لهذا التمرين يجب أن يفهم التلميذ جيدا المعطيات ثم المطلوب من التمرين. إذن بين أن كل مستطيل مساحته 1 سنتيمتر مربع أكبر من أو يساوي 4 سنتيمتر. بمعنى آخر يجب عليك يا أيها التلميذ أن تعرف محيط المستطيل. ما هو محيط المستطيل؟ كم يساوي محيط المستطيل؟ ثم مساحة المستطيل بمعنى المساحات والأطوال والحجم في تمارين أخرى. يجب أن يكون التلميذ ملما ومهتما وعارفا بالقواعد والعلاقات الرياضية مضبوطة ضبطا كاملا. إذن مساحة المستطيل هي الطول في العرض، ثم محيط المستطيل هو الطول في العرض في 2، بمعنى ضعف مجموع الطول والعرض. إذن بالنسبة للجواب، soit AB sont la longueur et la largeur. C'est-à-dire A, c'est la longueur et B, largeur. A, wattol, ou B, wattlard, d'un rectangle de surface 1 cm. C'est-à-dire quoi? A fois B est égal à 1 cm carré. Et P, son périmètre. Pardon, ça c'est pas ici. Et P son périmètre, donc A fois B est égal à 1 et P est égal à quoi? 2 facteur A plus B. Alors on a deux relations
Alors, A fois B est égal à 1 cm et P est égal à 2 facteur A plus B. Alors, on a ici, ça c'est fois. Alors, A fois B est égal à 1 et P est égal à 2 facteur A plus B. Donc, B est égal à 1 sur A, c'est, on calcule B en fonction de A. Alors, on divise ici par A et ici par A, parce que A c'est positif, strictement. Alors, B est égal à 1 sur A et P, et on remplace dans le deuxième égalité. Alors, P est égal à 2 facteur A plus 1 sur A. Alors ici, montrer que le périmètre de tout rectangle de surface 1 cm² est supérieur ou égal à 4 cm. C'est-à-dire que 2 facteur A plus 1 sur B, on va montrer que ça c'est supérieur à 4. Supérieur ou égal à 4. Alors on a ici A plus 1 sur A. Alors ça c'est supérieur strictement à 2. Pourquoi? On peut montrer ça, mais on fait directement A plus A sur A supérieur ou égal à 2. Pour tout A positif. Alors, si on multiplie ici par 2, 2 fois A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2 fois 2. C'est-à-dire que 2 fois A plus 1 sur A supérieur strictement à 2 fois 2, c'est 4. C'est-à-dire ça, c'est P, le périmètre. Alors, le périmètre, c'est supérieur ou égal à 4. Très bien, ça y est. Alors, on a à répondre à la question. Alors ici, une remarque pour montrer que ça, c'est supérieur à 2. Alors, c'est évident, mais A plus 1, la moitié, c'est toujours supérieur à 2. Par exemple, on peut démontrer cette relation par si on suppose, si on démontre que, par exemple, racine A plus 1 sur racine carré de A, le tout au carré. Alors ça, c'est supérieur strictement à 0. Racine carré de A moins 1 sur racine carré de A au carré, c'est supérieur strictement à 2. Supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, si on fait le développement, alors on obtient A plus 1 sur A supérieur à 2. On peut faire? On peut faire. Alors, par exemple, racine carrée de A plus moins 1 sur racine carrée de A le tout au carré. Alors, ça c'est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que ça c'est exposant, c'est pair. Alors, mais A ici différente à 0. Pourquoi? Parce que A c'est une longueur, pas A c'est la longueur, c'est strictement positif. Alors, ici racine carrée de A, alors donc. Racine carrée de A, on applique l'identité remarquable numéro 2. Alors, racine carrée de A au carré est égal à A. Moins 2 de l'identité remarquable fois racine carrée de A fois 1 sur racine carrée de A. Plus racine carrée plus 1 sur racine carrée de A. Le tout au carré, c'est-à-dire ici au carré.
Alors on a ici a moins. Alors on peut simplifier racine carrée de a avec racine carrée de a. Ici on obtient quoi? Moins 2. Et ici on obtient 1 sur racine carrée. 1 sur a. Alors a plus 1 sur a moins 2 supérieur, strictement supérieur ou égal à 0. Donc quoi? Donc, on a A, par exemple, alors A moins 2 plus 1 sur A supérieur ou égal à 0. Alors, A plus 1 sur A supérieur ou égal, c'est on transfère moins 2 à l'autre côté, c'est 2. Alors on obtient que A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. Ça y est? Alors ça c'est la démonstration. On peut faire directement A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. Alors on a fini l'exercice numéro 3. On passe à l'exercice numéro 4. Alors, on considère un triangle ABC, un triangle quelconque. Et le milieu du segment BC est H, le symétrique de I par rapport à la droite AC. Alors, la question c'est, montrer que si AHI, B est un parallélogramme, alors ABC est un triangle rectangle. Alors, on a le triangle ABC, un triangle quelconque. Alors, H, le symétrique de I par rapport à la droite AC. Alors, H, c'est le symétrique de I par rapport à la droite AC. C'est-à-dire AC, la médiatrice de HI. Et la distance... et A est égal à H. Alors, montrer que si AHIB est un parallélogramme, alors ABC est un triangle rectangle. Alors, on a I le milieu du segment BC. Donc, EB est égal à EC, par définition. On a H le symétrique de I par rapport à la droite AC. Donc, IA est égal à H. Alors ça, on a IA. IA est égal. IA est égal à H. Et ici, on a quoi? IB est égal ici. IB est égal ici. IB est égal ici. Alors, si AHEB est un parallélogramme, alors si AHIB est un parallélogramme, c'est-à-dire quoi? AH est égal BI, c'est-à-dire on ajoute ici une tirée, c'est-à-dire les côtés opposés sont de même longueur. Alors, EB est égal à H. Alors, EB est égal à H et EB est égal ici, c'est-à-dire EB est égal, on ajoute ici une, c'est-à-dire EC est égal à EB. Alors, par suite, IA est égal à EB, est égal à EB, est égal à EC, donc le triangle ABC, c'est un triangle rectangle. Alors, ABC est un triangle rectangle. Ça, c'est une propriété. Si IA est égal à EB est égal à EC, c'est-à-dire que BC, c'est le diamètre d'un cercle, de cercle circonscrit du triangle ABC. Et ABC, c'est un triangle
rectangle. Alors, directement, on dit que ABC est un triangle. C, ça, c'est une propriété. On applique directement. Si IA est égal à EB est égal à EC, alors le triangle est rectangle. Alors, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois. نتمنى لجميع التلاميذ التوفيق والنجاح ومزيدا من الجد ومزيدا من التفوق والتألق ولا تنسونا من الدعاء الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.